All right, what's up, players? Fait que je voulais faire une vidéo sur comment être sociable, social. Fait que ça va être un peu des astuces. Ça paraît que je suis fatigué. Des trucs et astuces de vraiment premier niveau. Donc, en fait, c'est de, quand vous socialisez, de trouver des intérêts communs avec les personnes avec qui vous socialisez. C'est vraiment une base, là, c'est comme, juste, essayer de trouver c'est quoi les intérêts des autres personnes, puis essayer de trouver des intérêts communs, et de développer sur ces sujets. J'étais tombé sur un article sur le subreddit de science. Subreddit. En gros, le résumé, c'est « People around the world prefer to be distracted than to think good thoughts, finds a new global study of 11 countries. The preference for doing external activities such as reading, watching TV, or surfing the internet rather than just thinking, appears to be strong throughout the world. » Fait que, ce qu'ils sont en train de dire, j'ai même pas lu l'article, j'ai juste lu le titre. C'est que la plupart des gens, quand ils rentrent chez eux, ils aiment ça se distraire en écoutant la télé, des films, lire, des jeux vidéo, peu importe. Fait que tout le monde, la plupart des gens ont des centres d'intérêt. C'est sûrement une évidence, là. Mais ça, c'est... Peut-être que vous le faites même pas, mais essayez de comme parler aux gens, voyez c'est quoi leurs intérêts, puis juste rappelez-vous, comme, mettons, moi à job, je vais voir un gars, puis on parle de films d'action, je vais voir un gars, puis on parle de manga, je vais voir un autre gars, puis on... Mais ça, c'est vraiment de base, parce qu'après ça, moi, je suis capable de parler de n'importe quoi, là. Mais ça, c'est vraiment si vous partez de loin, peut-être, ou si vous n'avez pas d'amis, ce qui est possible. Puis, j'avais une pensée aussi pour les incels, les involuntary celibates, qu'on appelle. Ça, c'est des jeunes hommes ou des hommes qui sont involontairement célibataires. C'est-à-dire qu'ils aimeraient ça avoir des relations avec les femmes, mais qui sont incapables parce qu'ils sont trop awkward, sont trop poche socialement. Sont trop malaisants, sont pas capables, ils ont pas de game, ils sont pas charismatiques, ils ont pas les skills. C'est quoi skills en français? Les techniques. Ils ont pas les skills sociaux. Je suis en train de googler skills. Compétences. Ils ont pas les compétences, les habiletés, le talent. Et les compétences. Ils n'ont pas les compétences sociales pour avoir des relations sexuelles ou romantiques avec les femmes. Fait que ça, c'est des incels. Puis, moi, la suggestion que j'aurais à leur dire, c'est que si vous êtes comme « Oh shit, man, je comprends pas, je trippe sur une fille, je suis pas capable de sortir avec, avoir de date ou avoir de relation avec. » Mais comme, pose-toi la question, t'as-tu des amis gars, genre? Fait que c'est comme, si t'es comme déjà en train d'être comme, ok, je suis pas capable d'avoir de relation avec les femmes, mais t'as même pas de relation avec les hommes, fait que t'as pas d'amis, ben, commence là. Là, c'est comme un autre level encore plus de base. Puis peut-être que ça peut t'aider de comprendre comment les intérêts fonctionnent. Puis ça peut être n'importe quoi. Parce qu'on dit souvent que les hommes, ils aiment ça, faire des activités ensemble, tandis que les femmes, c'est plus comme ils vont juste parler plein d'affaires, genre. Mais si t'es un gars, puis je sais pas, peut-être comme moi, j'aime ça être seul, fait que je fais mes trucs seul, mais après ça, je vais voir d'autres gens, puis je leur parle de n'importe quoi, en fait, mais aussi de nos intérêts communs. Fait que c'est ça, je voulais juste
comment être plus social, sociable. Je vais checker comment parler sur Internet. Un jour, on va tout avoir des chips. Des chips. Social. Et je remarque souvent quand j'étais avec certains amis que. Mais c'est peut-être certains amis de certaines gangs sont pas vraiment capables de bien parler français, juste français. Ils parlent un genre de franglais vraiment. Écoute. J'essaie de le plus possible de quand je parle français, de parler français. Et parce que après ça, tu sais, c'est comme. Moi, je suis mi-trentaine, là, pour ceux qui ça intéresse. Puis je trouve que les gens devraient tout le temps se forcer à se préparer pour leur prochaine. Qu'est-ce que je peux quand même parler? Décennie? Dans le sens comme. Dans le sens. Mettons que si tu as 30 ans, peut-être tu peux commencer, même mi-trentaine, commencer à peut-être un peu plus t'habiller ou genre parler comme une personne dans sa quarantaine pour que lorsque tu arrives dans ta quarantaine, ben, tu y arrives gracieusement. Et que tu ne sois pas un jeune, un homme garçon, si je peux dire, ou c'est ça, c'est comme je sais pas si c'est chez les hommes, chez les femmes, c'est différent, mais les hommes, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui restent comme jeunes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Peut-être, je suis peut-être, j'en fais peut-être partie un peu, mais en tout cas, j'ose espérer que je vise pour que qu'à 40 ans, je ressemble peut-être plus à un homme de 40 ans qu'à un genre d'homme de 20 ans. Fait que, c'est ça. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Donc, aussi, tu sais, si vous demandez aux personnes autour de vous c'est quoi leurs intérêts, peut-être que vous allez trouver quelque chose de cool, puis qui vous intéresse vous-même. Fait que. Je sais pas trop. On a changé l'heure récemment. Je vois pas vraiment c'est quoi le but. Comme il fait noir, plutôt. Je suis pas d'âme. Fait que c'était ma vidéo. Je suis un peu crevé. Fait que. Je sais pas trop, laissez des commentaires à mes 33. Même pas pire, on est de plus en plus. Mais éventuellement, t'sais, je fais ça vraiment à temps perdu, mais comme éventuellement, peut-être ça va prendre deux, peut-être même, je m'en fous, là, 3-4 ans, puis on va peut-être être genre, je sais pas, là, 100, 200. Puis j'aimerais ça que ça devienne un genre de géant, ou plus un book club, un club de lecture. Donc, tu sais, si on était 200, puis je proposais des livres à lire, peut-être un par mois, ça pourrait être le fun de faire ça. Puis au final, on serait comme une dizaine, là. Parce que c'est un de mes intérêts. Peut-être c'est pour ça que vous êtes abonné. Mais je vais parler d'autre chose. Fait que, c'est ça. Si vous n'avez pas d'amis, puis vous êtes comme, pourquoi je pogne pas avec les filles, puis je suis tellement intimidé par les femmes. Yo, mais juste, soit comme, être des amis gars.
Ça commence par là, je pense. Je crois. Fait que. Je reste là-dessus. Peace, motherfuckers.